bien, commissaire Muscadet fait que voyez chef gang map pour aljouen baron. Yon nan gros chef gang nan base 3 zombies. Commissaire Muscadet frappe le voyez to aljouen baron. Tout le monde compte ça sur nos Joseph Jean Badio, yon nan nèg qui très mauvais. La société, messieurs oubliez qui est-ce qui commissaire Muscadet hein? Et ça qui passe messieurs faire toujours comprendre que eux qui toujours essayé de tromper vigilance pour aller mettre magie sur eux. En tout cas, ou gagnant ni puis commissaire Muscadet, faut pirouette al jeune yo tout tout petit malfaiteur, tout petit gang qui pas capable de faire magie c'est non ni livrer aller Jacques Bel livre aller non. La société jodi pendant commissaire Muscadet a cherché pendant l'intéressé, il dit ah ouais pendant jodi là qui pratiquement paraît comme on date important, m'goué fait Dieu, eh ben faut que nous ta tout profiter font ti pirouette là, à chercher ça gain là oui. Mesdames, mademoiselles et messieurs, si m'dou on pas croire. C'est pendant commissaire a viré rond et puis il va le faire face à un gros taureau, on mal pour honte, on mauvais grain. Qui est Tauan Jean-Joseph Badio alias Mapou, chef gang 103 zombies. Le commissaire Muscadet a regardé, il m'a dit, est-ce que c'est pas vous-même qu'on est, hein? Monsieur Mapou dit, non, mais c'est semblé, me semble que monsieur, levez maillot, monsieur, tatou, levez bagay, monsieur, chef gang 103 zombies, prends téléphone, monsieur, de quoi pour être numéro tibout de bas, numéro ceci, numéro cela, aïe fout-moi, commissaire Muscadet, voyez, monsieur, ça, le jeune baron rapide. Image là, la li disponible pour le faire pirouette dans Telegram, nan bal ki t'entende, l'on rentre ou regarder en de Telegram, nan, ou a toute dernière image. L'autre information qui peut dominer l'actualité, mesdames, mademoiselles et messieurs, moun yo levé dans Delmas 19, yo fait gros kè sauté, gros bagay tombé en bas, et bien qui s'en gagne, mes frères et sœurs amis, donc moun yo, bloc 2h du matin, yo t'en dans pile cartouche qui a pété dans zone Delmas 19 là, et puis moun yo onti jak casuel koyo, et puis jusqu'à ce qu'on petit temps au bataille, yo dormi. Mes frères et sœurs amis, l'heure levé matin au jeune cadavre 3 jeunes garçons qui mourit dans Delmas 19 là, dans rue Léonard là. Nèg yo finalement, yo prend plusieurs balles dans tête, c'était 3 cadavres, yo retiré toute radio yo, m'bral bon détail, m'bral bon information, ou bral joindre toute sorte de connaît, mes frères et sœurs amis. Donc, qui est extrêmement donc, important pour que nous partagions à commun. En tout cas, je vais détail là, je vais avec toute dernière information. Nous partis. La voix, le son, les images, vous pouvez les retrouver partout. Mais si vous recherchez les bonnes qualités, il vous suffit de taper FS News Haïti. Sur YouTube et sur Facebook, nous sommes présents 24h/24 pour vous informer. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. FS News Haïti, c'est là où la complicité se joue pour atteindre le paroxysme du savoir-faire. La société, ils sont évidence pour une bonne information, ça qui m'a porté pour là. Tenez bien, moi-même, je décidé à bailler blague. Commissaire Muscadet, bravo, que la que me bande commissaire Muscadet a cherché à Zamim, base 3 zombies, ça. Commissaire Muscadet s'est monté sous la ville, faut le craser la petit feu. Mais pendant que le commissaire Muscadet a cherché tout moyen pour commencer à prendre 3 graines dans les 103 zombies, ces 3 zombies tellement de petits gens là dans le fait mouvement, ils ont tellement de paquets de jeunes garçons, regardez vidéo ça, regardez l'image ça. Majorité de petits gens, c'est un de ces 3 zombies qui est. Mais qui s'arrive, qui s'arrive, monsieur, ça va faire un de bazar. Mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est les gens qui ont fouillé, qui ont tiré, qui ont fait un paquet de bagailles. Commissaire Muscadet levé matin bien bonheur, il dit, l'a commencé à chercher, l'a commencé à faire mouvement, jusqu'à ce que finalement comprenne, donc il faut qu'il commence à prendre des 3 nègres. Mesdames, mademoiselles et messieurs, heureusement, commissaire Muscadet était vraiment déjà après la rue. Pendant que le commissaire a viré, qui est-ce que le bras le croisé? Le bras le croisé, Toho, ça, comme je dis nous tout à l'heure, donc tout le monde connaît sous Mapou, sous nos Mapou, Badio, Mapou, donc chef gang 103 zombies. Commissaire Muscadet, monsieur, le poser les 3 questions. Faut me cesser avec vous. Donc, il n'y a pas de débat, monsieur Kou. Mais, il y a 2-3 petites tapes qui, normalement, sont obligées de costumer, monsieur, pour monsieur capable de paraître en jeu. Je vais quitter une faute si t'en dis. Commissaire, vous venez de voir, madame, monsieur. Déjà, arrivé là. Oui, ils sont déjà sous place, madame, monsieur, pour sortir. Pas de travail, madame, monsieur. Commissaire, vous venez de voir, madame, monsieur. Il est parti. Dans le constat de là. Commissaire Jean-Ernest Muscadet, vous débarquez là, après que lui-même se domine, j'ai pas tout ça. Voilà, nous avons Miragouane, bon réseau à Madame Missoula. Commissaire Jean-Ernest Muscadet, il a décrété la permanence ici dans la communauté, à quel que soit côté de la Mexique, la Mexique est dans une place. 5 km carrés. Voilà, les gamins des là. Commissaire Muscadet, Madame Missoula. Voilà. Commissaire Muscadet, Madame Missoula. Tout vient avec valise, tout vient avec. C'est qu'il y a un nègre là. Mais ça, trois zombies, ça va d'habitude. Après ça, on voulait ça, on voulait tout engraisser. Après tout le monde, on voulait débouler dernièrement là. Et même si c'est ça, on déboulait, 103 zombies. Et ça, on fait un pile ravage. Et on est toujours affiché sur les réseaux sociaux. On a constaté. Comme c'est le cas de Madame Bessie, accompagné avec 8 délégués. Arrondissement Miragonna, Daniel Pognon, qui est sous le terrain aussi. Et on a constaté Bagayo. On va avec tout le monde. Là, nous sommes sur route nationale numéro 2 dans Chalon. Et même qui peut cliquer sur le bouton abonné à Madame, c'est cliquer sur le bouton abonné pour que vous abonner à la vidéo. Vous avez vidéo pour partie de la communauté au réseau. Et puis, like vidéo, partager dans plusieurs groupes pour que vous abonner informer. Le travail est jusqu'à faire dans le département. Eh bien, Jacques Osota attendait à ce que ça mounio en laisse à un département NIP à fêter yo content parce que commissaire Muscadet l'a frappé et le poté ça comme résultat. L'autre information capable de dominer l'actualité, c'est exactement dans Delmas 19. Donc, que monsieur yo pratiquement a fait un pile l'obéi. En dans Delmas 19, ça, c'est pas décausé, monsieur, ça n'a pas fait. Qui s'est arrivé, qui s'est passé, mesdames, mademoiselles et messieurs? Eh bien, moun yo bon 2h du matin, attendez, un pile cartouche dans zone là. Mais là, moun yo attendez cartouche là, peut-être yo gen en tête, yo son kidnapping qui fait bao, et puis moun yo allé, donc, et puis yo on cadet tout bagaille fini, donc yo pral font petit mouvement. Eh bien, c'est l'heure, mesdames, mademoiselles et messieurs, levé matin, donc l'heure font pirouette, yal gade, qui s'est passé dans cette zone ça, dans Delmas 19, dans Willéona là, laisse arriver aux jeunes, 3 jeunes garçons qui attaquent à bien dans ça. Mais imagine là, donc on juste son pire, on jeune yo. Et puis, les regarder, ouais, on retire regarde sous toutes les yo, toutes les yo net prend balle dans tête. Grand pile monde qui retient dans commentaire qui analyser, qui probablement dit, ah bandit pas le faire toute action ça, bandit pas le perdre du temps, fin tirer on monde retire regarde sous lui, aller. Donc il paraît logique. Donc la police plus semble la police, mais donc une catégorie de monde que nous peut-être pas penser tout. Ligue noir monsieur tout qui a frappé monsieur autodéfenseur monsieur brigadier pas vle ti vagabond viré là et puis tout bagaille fait parce que moun dans zone dit yo pas reconnaître yo moi faut chaper pour moi mesdames mademoiselles c'est monsieur m'a quitté avec vidéo ça prend son printemps ou tendel profitez tout abonner à la chaîne là si vous faites ça si vous faites ça et si vous faites ça déjà prend petit temps partagez émission ça m'a avec dans cadre d'activité SYNAPOHA fait depuis 3 ans et ça va bien 4 ans et bien présence nous la matin c'est dans cadre de lancement et ICPOD, qui c'est initiative de support, décollage aux enfants des policiers décédés, qui gagne un joli que les ICPOD. Ça gagne 2 ans de cela, depuis que SYNAPOHA a caressé rêve ça, pour nous regarder comment nous sommes capables d'aider quelques petits policiers qui mourent dans l'exercice fonctionnel, policiers qui mourent mort naturel, policiers qui fait accident. Nous connaissons comment la conjoncture a été en 2021, en 2022. Nous avons lancé le programme là, à cause des pays là qui étaient venus que nous avons camper sur lui. Eh bien, jeudi, nous lançons de façon officielle. Et quand tout le monde qui ouais SYNAPOHA, gens que nous travaillons. Et par exemple, nous gagnons une raison qui fait nous la plus, c'est parce que le lancement ça n'a fait, c'est dans le cadre d'un partenariat que nous gagnons avec des amis qui sont haïtiens, qui ne pas vivent en Haïti, mais qui dans le même domaine ensemble avec nous dans le pays que les a vivre là. Et bien, il toujours fait nouvelle sur Haïti, il toujours regardé comment les policiers ont mouru. Et bien, il dépensait directement avec famille policiers, avec petits policiers. Ben, il passait par SYNAPOHA, que lui estimait qu'il a fait un travail sérieux dans la police. Et bien, nous entendons ensemble avec lui. Nous connaissons que les policiers qui mourent en pile, petits en pile, parce que les policiers qui ont 2, 3, 4 petites. Nous-mêmes, ça l'a fait là, nous pas remplacer l'État, nous pas dit l'État que pour ne pas continuer de faire ça rien pour le faire envers petits policiers qui mourent dans l'exercice fonction. Mais nous-mêmes en tant que syndicat qui cherchons bien-être pour policiers et madame policier, petite policier, nous toujours croisons ensemble avec eux, nous toujours parlé ensemble avec nous, et bien nous te disons nous regarder qui ça que nous capables de faire. L'islam long, l'islam en pile. Mais nous avons un traitement que nous avons fait ensemble de policiers qui mourent pendant 3 dernières années qui sont passées là. Eh bien, dans le cadre de lancement, ça, SYNAPOHA, à travers structure ça qui en donne, qui c'est ICPOD, eh bien, nous gagnons au moins 10 petits policiers que nous choisissons que pour nous capables d'aider dans la question de l'école. Nous connaissons que yo en pile. Nous connaissons que 10 là, national, qui sentit nécessité que le travail que nous avons fait pour nous assister petits policiers, si vous voulez accompagner nous, vous êtes capable de contacter nous, vous êtes capable d'accompagner nous. Nous avons bien aimé, gens que nous sommes là pour nous, c'est 20 personnes, 40 personnes, 50, 60 et pourquoi pas une centaine de petits policiers que nous avons SYNAPOHA à travers plusieurs autres partenaires et APD. C'est dans le contexte que nous, là, matin, là, pour nous lancer de façon officielle ICPOD là, qui sont structures qui en dedans et SYNAPOHA, pour nous regarder comment nous capables coup de main aider quelques petits policiers qui mourent dans l'exercice et fonction. Nous connaissons que le travail là n'est pas facile, nous connaissons que qui ça on papa vaut, qui ça on papa veut dire dans un cas, à chaque fois que papa ça n'est pas là, nous sentons que qui frappe que caille ça prend. Et bien nous-mêmes qui là nous conscients de problèmes là, eh bien, nous avons regardé qui ça que nous sommes capables de faire. C'est une structure qui ouvre à toute organisation, tout le monde en Haïti ou à l'étranger qui voulait aider nous. Jean que me dit là, c'est un citoyen qui sont haïtiens, qui c'est un policier pour lui-même, mais qui ne peut pas vivre en Haïti, qui ne peut pas travailler en Haïti. Qui donc il décidé de collaborer avec SYNAPOHA pour nous capables d'aider au moins alors 10 petits policiers que nous choisissons. Et nous avons l'autre prix encore que nous allons faire. Et ça fait que nous avons ensemble avec nous Valmont Batelmi, qui est l'homme qui est responsable du programme ICPOD là, qui gagne un projet que nous avons écrit, qui va faire un petit parle en plus de projet ça. Mais nous, même au niveau SYNAPOHA, nous lançons ICPOD là. Et quand nous l'ouvrons pour toute organisation nationale ou internationale, l'autre citoyen dans le pays ou dehors pays qui voulait porter support. Parce que, regardez que les policiers, ils travaillent pour la société. Puisqu'ils travaillent pour la société, bon ensemble de bagailles que nous-mêmes nous sommes capables de venir en aide avec les petits. Les nous prenons par exemple un série de policiers qui mourent dans l'exercice de fonction. Que les nègres examinent, ils tuent, ils boulent les corps, les familles ne peuvent pas même joindre. Donc, nous pensons que la société est capable de toujours honorer la mémoire policier de façon que nous sommes capables d'aider. Nous ne pouvons pas remplacer l'État, mais c'est nous-mêmes, comme structure syndicale qui est une institution policière, nous décidons de mettre structure ça, camper pour nous capables d'aider les petits policiers qui mourent dans l'exercice et fonction. C'est en deux ans, c'est nous faisons ça parce que gagnent qui plus vulnérables passons l'ordre et surtout gagnent près de 10, près de presque une vingtaine de policiers qui déjà mourent pour année ça. Nous prenons et refaire l'Islam encore, nous prenons grand petit policier ça en attendant que nous joignions l'autre monde, l'autre bailleur qui aide nous pour nous capables d'avancer avec structure ça. Décollage aux enfants des policiers décédés. Comme coordonnateur principal dans ce deal, SYNAPOHA n'a pas de prétention en place l'État. Mais en tant que structure syndicale, de bon droit, puisque nous là pour nous veiller à faire respecter les droits policiers. Aider eux, parce que non policier mourir dans l'exercice fonctionnel, ça ne veut pas dire que petit est obligé de mourir tout. Madame n'est pas mourir tout. Donc, il faut au moins nous-mêmes, nous, au niveau structurel, nous penser avec nous. Nous penser à faire un bagage pour eux. Donc, en ce sens, les nous chita ensemble, nous avons essayé de regarder. Nous avons meilleure façon de nous capables d'aider les petits policiers pour ne pas qu'ils aient 11 âmes dans les mains. Comme nous avons gardé les gens ça fait dans le pays. Donc, meilleure âme nous sommes capables de porter pour eux, c'est l'éducation. Nous pensons que ces âmes qui sont puissantes, que nous sommes capables d'utiliser pour nous sauver les petits policiers. Et nous gagnons tout et en sélection que nous avons fait. Et de Timoun Saï. Et nous avons parents et tout, nous avons supposé rencontrer demain vendredi pour nous capables de remettre ça que nous avons fait. Comme nous disons, son initiative nous prend pour nous capables d'accompagner les petits policiers qui mourent. Mais tout, il y a peut-être, bon, depuis 2022, nous travaillons sur un projet d'accompagnement scolaire aux enfants des policiers victimes d'un exercice de ces fonctions. Donc, projet ça est là. Okay? Mais malheureusement, nous n'avons pas de joindre bailleur qui pour aider nous en ce sens. Maintenant, nous gagnons seulement pour nous travailler sur les pour nous mettre à jour et espérer que gagner des bailleurs qui sont capables de rentrer en contact avec SYNAPOHA pour voir comment ils sont capables d'aider nous. Nous avons lancé le projet. Ça. Donc, en gros, c'est ça nous a gagné, c'est ça nous a partagé avec nous matin. La voix, le son, les images, vous pouvez les retrouver partout. Mais si vous recherchez les bonnes qualités, il vous suffit de taper FS News Haïti. Sur YouTube et sur Facebook, nous sommes présents 24h/24 pour vous informer. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. FS News Haïti, c'est là où la complicité se joue pour atteindre le paroxysme du savoir-faire.